Je finirai juste en disant qu'il me manque. Voilà. Et j'écoute, moi, je pense que ce que ce garçon cherche, c'est la vérité. Je crois qu'elle est toute, là, dans tout ce qu'on entend. Et qu'en aucun cas, il doit avoir un autre élément qui doit te dissuader de faire en sorte que le rêve de ce garçon se réalise. Quand il disait les choses, et encore une fois je répète, non pas parce qu'il était dans les conditions où il était, mais parce qu'il était profondément honnête, il les disait autrement, il les interprétait à un degré qui n'était pas forcément celui de la chanson, mais où il nous traduisait. Et puis un soir, dans mon miroir. L'émotion est tellement forte que ce qui se passe, c'est que je perds vraiment justement toute notion de ce qui peut se comprendre ou s'analyser. Voilà. J'écoute et j'entends, au risque de sonner archétypal, j'entends un ange. Voilà. J'entends la voix d'un ange. Sur les plateaux télé, Grégory assure la promotion de son album et dans les coulisses, il se retrouve logé à la même enseigne que ses idoles. Bonjour. Enchantée, Vera. Ça me fait plaisir de vous voir. Et moi De te voir. Super, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis ravie, voilà, je voulais dire merci beaucoup. Il y a une lumière, il y a quelque chose qui émane de toi qui fait qu'enfin ça fait du bien de regarder la télé. C'est gentil. T'es vraiment un artiste au sens le plus pur du terme et je te souhaite c'est gentil. Tout ce que tu dégages. Arrête. Non, je le pense sincèrement, c'est magique. Merci. Et j'espère avoir la chance un jour de chanter avec toi. Moi aussi j'espère. En tout cas, je te retourne le compliment, moi je t'apprécie beaucoup aussi. Merci. Voilà. Et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. À bientôt en musique. Que pour la première fois, quelqu'un qui est admiratif rencontre quelqu'un d'autre. En l'occurrence, moi, j'étais admirative de ce garçon. Je le rencontre pour la première fois. Il y a toute une foule d'éléments autour qui permettent peut-être pas le naturel le plus extraordinaire. Et en même temps, j'étais totalement émue. Et j'ai essayé de lui en faire part avec les mots que j'ai trouvés à ce moment-là. Une prochaine rencontre en musique, la promesse sera tenue quelques mois plus tard. Le jeune chanteur a gagné. Il a honoré les dates de sa tournée et celles de l'Olympia. Grâce au soutien des médecins et de ses proches, tout a été fait pour protéger le petit prince. Mais comme n'importe quel artiste, il est fatigué. Alors, après l'Olympia, il se repose et se réserve pour quelques rendez-vous immanquables. À ceux qui n'écrivent pas. Dans les peu de moments qu'on a vécu ensemble, trop peu d'ailleurs, c'est un moment qui a été important. Quand je suis face à Grégory Lemarchal et que j'interprète l'Ave Maria ou autre chose en rigolant dans les coulisses d'une émission de télé, je suis face à un autre artiste. C'était un grand artiste.